Archer et prestigieux, désavoué, misérable exilé, Philoctète la forte tête, le voici à Anachorète sur une île déserte, livré à la disette, à se nourrir d'alouette. Triste dérision dans cette lamentable situation, comme diversion aux crevettes, de flécher des alouettes avec son arc d'airain. À cet expédient contraint, à la fin, seul recours sous cet îlot aux morts de contour, sans espoir de retour. À ces plaintes, les dieux sont sourds, indifférents les vastes flots qui l'entourent, noient ses sanglots. Où sont-ils, les compagnons, misérables félons, auteurs de ce perfide abandon? Parce que les morbifiques exhalaisons de la puanteur de son pied blessé tellement les excédaient, horrible gangrène, il est vrai, qui même, à cœur bien accroché, effraie, noire purulence qui le malmène, fruit pourri de la haine des dieux, qui, de sa trahison le blâme, à ce putride châtiment le condamne. Pour avoir révélé le secret des flèches empoisonnées, que Héraclès, par amitié, en grande discrétion, lui avait confié. Alors, sous ce rocher, ils l'ont abandonné, maintenant oublié de la Grèce, ignoré des dieux qui le délaissent, livré à leur rancune vengeresse, il hurle sa détresse. Mais, à cette histoire par Sophocle racontée, une bonne fin est donnée. Les Grecs, toujours à siège 3. À sa reddition, plus personne ne croit. Toutes sortes de stratagèmes, ils dissèquent. Ils évoquent Philoctète pour les sauver de l'échec. Avec son arc, de ses infaillibles fléchettes, il réduira l'ennemi à ses obsèques. Néoptolème sur l'île est débarqué pour négocier auprès de l'archer son retour parmi ses compagnons au nid. Rien n'y fit, l'ermite dans son ressentiment raidit, à ses arguments et séductions ne faiblit. Jamais plus mon arc d'airain ne bandera pour vous de votre ignominie, je n'ai que dégoût. Vous n'aurez pas raison de mon courroux sur cette île, envers et contre tout, loin des infamies qui me bafouent, jusqu'à ma fin, ici, je resterai debout. Il fallut qu'Héraclès en personne intervienne, afin que le révolté de sa déraison revienne. Ainsi, le héros de la Grèce, de ses flèches anéantit des Grecs les ennemis, les perça tous sans merci.
Mais Philoctète reste ulcéré. De mauvais pieds, à putrescence envenimée, en Calabre s'est transporté, où, par Macaron, divinement soigné, de son pourrissement, il est sauvé. Des eaux, à cet endroit ferrugineuse, sur sa plaie gangréneuse, bien heureuse. Alors, à cet endroit, il fit élever des thermes, pour rendre grâce aux dieux en ces termes. Une fondation il en fit, du nom de Thurium, où toujours des curistes ont coutume de prendre les eaux pour y guérir leurs maux. De toutes sortes de plaies infectieuses, ils trouvent ici l'aide miraculeuse. C'est ainsi que Philoctète, forte tête, au Dieu a payé sa dette.